Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce stream de Tezo. Ça sera un stream assez court parce que j'ai plein de choses à faire en soirée, donc là ça va être assez court. Donc ça fera un petit stream. Donc je vais faire un peu de train-train habituel. Donc après j'ai une. Déjà je vais regarder mes missions où j'en suis. Ah oui, mais j'y suis. Oh, ben, ok, donc là par contre, je reparte, c'est super. Oh, j'ai pas. Coucher les chiens. J'en fais une. Hop, je suis à côté d'Abondance. Il est bon d'avoir une reine qui se soucie de ces sujets. Hélas, on ne peut pas en dire beaucoup de ça. Voyez bien que je suis occupé. Salutations, mon ami. Thank you.
Moi, j'ai pas fait la couture en passant, moi. Rien. C'est génial. Génial. T'es dans mes trucs aussi, non? Ah, un collègue tailleur, c'est ça? Oh là 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 là. Bon, ça va, j'ai pas besoin de beaucoup de place pour faire ces quêtes parce que là c'est la misère. C'est la misère! Salutations, mon ami. On va dire que c'est rap pour soir. Hein. On peut sortir par là. Ça va pas aller. Je sors par là. Je vais sauter. Je me suis loupé.
passer au médecin. En tant que sentinelle, je me dois de vous avertir du danger que représentent ces voix. Mais en tant que vieux Gurless, je suis ravi de voir un visage amical. Je me rappelle de cet enfant qui ne m'arrivait qu'au genou, et maintenant son corps gît comme un cadavre. On l'a attaqué et laissé pour morte au bord de la route, comme un animal. Elle ne mourra pas tant que je veillerai sur elle, et avec votre aide. Autour du lac, vous trouverez des anneaux de champignons, des cercles de fées, mais les fées ne m'intéressent pas. Prenez mon amulette, descendez au centre des cercles et sentez la terre. J'ai besoin de l'énergie qui en émane pour maintenir Elara en vie. Je dois ramener l'enfant à ma hutte. Elle est sur la colline, un peu plus haut. Vous ne pouvez pas la rater. Le Weird ne me désigne pas autrement. Les gens d'ici m'appellent souvent Gurless l'Ancien, ou seulement Stenwick. La Sentinelle Viride est un nom à coucher dehors, vous ne trouvez pas ? Il me donne plus d'importance que je n'en ai vraiment. Ces bois vivent et sont dotés d'un esprit. Je veille à ce qu'ils n'échappent pas à tout contrôle. Certaines bonnes gens vivent non loin de ces contrées, et sans une main ferme pour la dompter, la nature reprendrait ses droits. Moi ? J'avais quitté Abondance pour aller vivre dans les bois. J'y ai rencontré un homme, l'ancienne sentinelle. Il avait besoin d'aide et je suis resté avec lui. Lorsqu'il est devenu trop fatigué, il m'a passé sa charge. Il y a très très longtemps. Une fois, j'ai même travaillé aux jardins royaux d'Abondance. Enfin bon, je suis plus à l'aise dans les bois. C'est là qu'est ma vraie place. Y'a plus personne. Si j'étais plus jeune, je pourrais instantanément purger le poison hors des veines de cette jeune demoiselle. Aujourd'hui,
Je dois utiliser toute ma force pour simplement la maintenir en vie. Pauvre petite. Voilà qui tombe à pic. J'ai fabriqué un baume qui permettra à Elara de se réveiller. Je vais canaliser l'énergie restante en elle. L'amulette devrait me sustenter par la suite. En tout cas, je l'espère. Ça ne prendra qu'une minute. C'était plus éprouvant que je pensais. Donnez ça à cette pauvre fille, tout ira bien. Dormais ? Que fais-je dans ce taudis ? Et qui êtes-vous ? Ça y est, je me souviens. Stenwick m'a emmenée ici, j'étais malade. Pardonnez-moi, mais je ne sais toujours pas qui vous êtes. Recevez donc ma gratitude. Je suis affaiblie, mais pas terrassée. Mes blessures externes semblent totalement guéries. Dites-moi, étranger, que se passe-t-il à Abondance ? Est-ce que ma mère va bien ? Et mon père ? Je vois. Ma mère doit être en deuil. Je vais faire parvenir de mes nouvelles, si Stenwick le veut bien. Ah ! Nous avons de la compagnie, il semblerait. Qui entre ? La forêt sent votre faiblesse, Sentinelle. Ces lieux sont semés d'embûches. Entrez, Demara. Était-ce un avertissement ou une menace ? Stenwick, qui est-ce ? Une Wyrès ? Oui, mon enfant. Vous ferez leur connaissance bien assez tôt. Vraiment ? Vous êtes plus stupide que je ne le pensais, vieillard. Allons, ne le prenez pas mal. Le Wyrd est composé de personnes étranges. Le Wyrd et moi avons toujours eu une relation précaire. Mais je me devais de sauver Elara, quelles que soient leurs objections. Cela va rendre le processus plus compliqué qu'il ne devrait l'être. Mais il me reste encore du cran. Ah, c'est assez compliqué. Disons qu'ils ne consentent pas à ce que j'exploite la forêt pour ces choses. Ils auraient préféré que je n'existe pas du tout. Mais peu importe. Il reste pas mal de travail, et je ne rajeunis pas. Mon baume n'était que temporaire, j'en ai bien peur. Je dois employer une méthode drastique si je veux sauvegarder Elara. Je vais avoir besoin du Wyrd pour cela. Vous avez vu les Sprigans de la forêt. L'un d'entre eux est bien plus vieux et plus sage que les autres. Certains l'appellent la voix de la forêt, et elle l'est d'une certaine manière. Il me faut un bourgeon librement tombé de ses branches. Celui-ci pourra permettre d'exploiter la toute-puissance de ces bois pour préserver la vie d'Elara. Puis-je vous demander votre aide une nouvelle fois ? Ce sont les gardiens de la nature au sens le plus pur. Je suis le gardien du peuple. Nos intérêts divergent parfois. Ils estiment que mon rôle de sentinelle est contre nature, même s'il perdure depuis des générations. Mon baume n'était que temporaire, j'en ai bien peur. Je dois employer une méthode drastique si je veux sauvegarder Elara. Je vais avoir besoin du Wyrd pour cela. Vous avez vu les Sprigans de la forêt. L'un d'entre eux est bien plus vieux et plus sage que les autres. Certains l'appellent la voix de la forêt. Trouvez la voix de la forêt. Vous ne devriez pas avoir de difficulté à la trouver. Mais, si c'est nécessaire... De nombreux Sprigans portent une spore qui retourne à la voix de la forêt lorsque le Sprigan meurt. Vous pourriez en tuer pour le suivre jusqu'à la voix, mais cela risque de la froisser. Prenez mon amulette. Elle ne contient plus assez de pouvoir, mais la voix de la forêt la reconnaîtra et vous accordera une audience. Lorsque vous lui apporterez le bourgeon, la Wyrès Demara ne vous accueillera pas, mais insistez bien. Elle connaît le rôle du Wyrd.
Je ne vais pas rester les bras croisés à vous regarder faire tout le travail. Nous devons trouver la voie de la forêt. Si Stenwick a besoin d'un bourgeon de Sprigant, alors je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour lui en trouver un. Je suppose que vous avez raison. Je vais rester ici avec Stenwick. Mais la voie de la forêt, c'est comme une Sprigant. Elle réagira à leur mort. Vous pourriez la faire sortir en tuant quelques Sprigants. Probablement, mais ce ne sont que des animaux. Je ne vois aucun autre moyen de les faire raisonner. Stenwick a besoin du bourgeon et le temps presse. Nous n'avons pas le temps de nous apitoyer sur les Sprigants. Ils devront coopérer avec ou sans leur consentement. Et si notre recherche n'aboutit à rien? Non, tuer les Sprigants. C'est le moyen le plus rapide d'y parvenir. D'accord. Moi, je dis que c'est vert là. Je sais pas où c'est, mais. Ça va pas. Fais un temps, j'ai pas tué un troll. C'est pas ça? Ça aurait été là, ça aurait été cool.
Mais c'est bien à l'opposé, un truc comme ça, c'est pas possible. Cette créature perturbe les bois grâce au symbole de la sentinelle. La forêt ne s'est-elle pas déjà soumise aux caprices de la sentinelle? Que pouvons-nous céder de plus? Pour qu'elle puisse passer notre joug à un autre, un étranger à cette forêt, votre demande est creuse, voix de la sentinelle. Je refuse. Pourquoi nous soucier d'une mortelle? Nous ne cherchons qu'à pousser comme notre nature l'entend. C'est votre sentinelle qui nous en empêche. Mais vous vous moquez de notre affliction. Ce dialogue est une perte de temps. Prenez ce bourgeon et partez. Mais sachez ceci, il n'y aura nulle paix en ces bois. Si c'est comme ça, je reviendrai pas. Merde de troll. Voilà.
Oh merde. Oh, ils m'ont piqué les coffres. Oh. Putain, je suis vert. Une odeur familière vous entoure. La sentinelle vous envoie? Qu'avez-vous sur vous? Comment la sentinelle ose-t-elle désigner son successeur par pitié? Mais ce n'est pas elle qui a ramené le bourgeon, c'est vous. Pourquoi accordons-nous notre bénédiction à celle qui fait porter son fardeau à autrui? Il ne vous a même pas fait confiance pour vous le dire, n'est-ce pas? La sentinelle vous l'expliquera. Quant à moi, je n'ai rien à vous dire. Où se trouve cette princesse dont les besoins sont plus urgents que ceux de la nature? Trop faible même pour vous suivre? Non, la forêt n'a pas besoin d'une telle créature. La sentinelle dépasse les limites. Le Weird ne tolérera pas cela. Si vous avez quelque chose à dire, ayez au moins le courage de me le dire en face. Soit. Vous êtes faible, une proie facile. Comment comptez-vous maîtriser le pouvoir de la sentinelle? Stenwick s'efforce de me sauver la vie. J'ignore comment il compte s'y prendre, mais c'est grâce à lui que je m'en suis sortie. L'enfant ne sait rien, et il s'imagine que nous allons lui accorder notre bénédiction. Je ne sais pas ce que Stenwick a en tête, mais si ça peut me sauver la vie, je lui fais confiance. Je ne sais pas pourquoi ces membres du Weird ne voient pas ça. C'est de la jalousie, je pense. Mais ce ne sera pas un obstacle pour moi. Je ne laisserai pas les caprices de quelques habitants de la forêt me gâcher l'existence. Stenwick est un homme bon. Ne voit-il pas qu'il est inoffensif? Pourquoi? Elle veut tout diriger, et nous avons déjà obtenu le bourgeon de la Voix de la Forêt. Si c'est assez bon pour moi, il devrait en être de même pour elle. Un jour, la sentinelle Viride a exigé plus qu'une nourrice pour des enfants gâtés. Maintenant, elle attend de nous que nous entraînions et que nous élevions ses filles comme les nôtres? Non. La sentinelle en demande trop. Il dépérit. Il va désigner une néophyte totalement inexpérimentée pour prendre la suite. Il n'a aucun respect pour la forêt, ni pour le Weird. Si un enfant se fane pour permettre à la forêt de se libérer, est-ce grave selon vous? Ces derniers jours, la sentinelle n'a rien exprimé à part des requêtes. Quoi qu'il en soit, nous ferons le nécessaire. Le temps venu, peut-être pourrons-nous compter sur vous pour prendre la bonne décision. Alten va vous aider à le préparer. Pour le rituel de la sentinelle, il faut un bourgeon de Sprigant cédé volontairement. Vous l'avez obtenu, mais le bourgeon ne va pas éclore sans nourriture. J'espère que la vue du sang ne vous révulse pas. Mais ma sœur, vous aviez dit que c'était la dernière fois que nous aidions la sentinelle.
Assez. Allons. Finissons-en avec la bénédiction et passons à autre chose. Suivez-moi. Tout est prêt pour le sacrifice. À mon signal, tendez le bourgeon dans vos mains. Tenez-le bien, quoi qu'il arrive. Il paraît que les assassins de Sangrépine ont tenté de tuer le roi Casimir. Plongez-le dans l'offrande. Vite! Eh bien, par la grâce de Rudga et la nature des vagues, je suis certain que nous nous reverrons. Je vais rester en contact avec la druidesse Laurel, et j'imagine qu'elle compte ne pas vous perdre de vue, hein? Bonne chance et bon vent. Oui, mais pas longtemps. Je suis certain qu'ils auront envie de savoir ce que les champs de feu manigancent. Mais je finirai par retourner sur Galen. Du moment que la druidesse Laurel a besoin de mon aide, je serai là. Ce n'est pas vraiment à moi de vous l'expliquer, hein. Je pense que Free serait à l'abri dans la guilde des mages. C'est plus un problème de druide. Si la druidesse Laurel pense que Free sera mieux sur Galen, je lui fais confiance. Ça y est, le bourgeon est prêt. Amenez-le à la fille, Elara. Je n'arrive pas à croire que Demara continue à aider la sentinelle dans son plan machiavélique. Sa générosité, au final, nous fera tous souffrir. Cette fille ne connaît rien des bois, et cela va nous coûter cher. Le Weird a suffisamment attendu. Stenwick est mal en point, et nous devons faire ce qu'il nous a demandé avant qu'il ne soit trop tard. Allez le voir, et dites-lui ce que nous avons fait. J'ai le souffle court et je dois économiser mes forces. Je sens qu'ils n'oseront pas me faire de mal tant que je suis sous la protection de Stenwick. Nous allons voir si j'ai eu la bonne intuition. Bien sûr, et ce bourgeon pourrait guérir Stenwick comme il m'a guéri. Il faudra l'utiliser si nous voulons le sauver. Emmenez-le à l'hôtel au lac. Retrouvons-nous là-bas. Voilà, bon, c'est la fin de ce stream pour ce soir, donc je réussirai d'en refaire un plus long demain soir. Donc, sur ce, bonne soirée, au revoir.